Passons maintenant au 16 nouveaux kanji. Alors, le premier, un que j'aime beaucoup dessiner, enfin dessiner, faire, écrire. Peut-être pas aussi vénère, mais... Voilà. C'est qui ? Le kanji de l'air. Ah oui, faut pas les mettre en katakana. Tac, 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 tac. Voilà. Qui ? Qui ? Voilà. Donc, avec celui qu'on a vu hier, Ten, qui est paradis, Tenki. Voilà. C'est la météo. Paradis, ouais. Tout ça. Je crois que c'est celui qui est aussi utilisé pour Genki. J'ai un doute. Alors, le deuxième. Un que je pense les joueurs de KH connaissent beaucoup. Yasora, ça veut dire ciel en français. Voilà. Ciel. Soula. Ouais, celui-là il touche hein, par contre. Voilà. Alors, pas cool. Là-dedans, il y en a beaucoup. Donc, Sola. A. Kou. Akelo. Rappelez-vous, hein, la barre, ça veut dire que le kanji, il prend la place du A. Et pas du Kelo qui suit. Et Kala. Kanji de ciel. Et on reste plus ou moins dans la météo avec Ame, la pluie. Oups, attends, je vérifie, ouais, c'est ça. Il est un peu plus long. Avec les petites gouttelettes. Ou. Justement, après. Ame. Ama. Voilà. Kanji de la pluie. Kanji de la soirée. Qui ressemble beaucoup au ta en katakana. Et qu'on a déjà vu avec le kanji de... C'est lequel exactement? Du nom. Là. J'essaie de le faire go. Moi, je fais dans l'écriture pour la diff, pour ne serait-ce. Faire la différence entre le katakana de ta et les kanji. C'est en mode, c'est plus tac tac tac. En fait, je vais toucher. Après, c'est dans ma façon d'écrire. Tu vois. Que là, justement, soirée ou tous ceux qui sont en mode kanji, ça va pas toucher. Voilà. Je
Après, c'est ma façon. Après, je sais pas s'il y a, y a vraiment quelque chose. Et c'est You ou autre. La soirée. Ensuite, un petit animal, un petit dogo, le chien Inu. Bien. Ne pas oublier ce petit. Voilà. Donc. Ah oui, non, mais si je me trompe de kanji dans la lecture. Ken. Je suis prononcé. Et bah. Inu. Ensuite, tu as. Moi, pas beaucoup de gens à l'homme. Les insectes. Kanji de l'insecte. Une belle barre. Ensuite, une barre qui monte un petit peu. Et ça. Et le petit trait. Voilà. Chou. Ou Mushi. C'est peut-être plus connu en termes de blaze. Mushi, l'insecte. Ensuite, t'as le fruit de mer qui a coquillage, fruit de mer ouais. Qui ressemble un peu à l'œil, mais il a ce petit tac d'ailleurs avec parce que c'est avec regarder. Regardez qui est comme ça, ça touche vraiment. Enfin, plus voilà, tac, 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 pardon. Donc ça, c'est regardez. Là, c'est, ça touche pas trop, comme ça. Fruit de mer. Ok. Mais pourquoi tu es obligé de me le faire tout le temps le machin tout le temps le matin pendant que je stream? Non? Oh là là, les ordinateurs. Et c'est Kai. Ah, quand j'ai de fruits de mer. Kai. Après. Autre kanji. C'est le gazon. Gazon, herbe. Non. Voilà. Ensuite, grand trait ici. Et comme ça. So. Et. Kusa. Voilà. Quand j'ai du gazon, l'herbe. Après, belle page. Tu as le bambou. Bambou que j'ai eu du mal à
à m'en rappeler. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Chikou. Et Take. Voilà, le bambou. Après, la fleur. Hana. Hana aussi, hein, j'ai eu un peu de mal, mais... ouais, c'est pas trop sur la gauche. Tac, tac, tac. Oui, c'est le petit trait d'abord. Hein. Tac, 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 tac. Ka. Hana. Après, donc là on va passer à tout ce qui va être plus ou moins les semaines aussi, mais pas que. Vous savez bien que en gros les kanji des semaines, c'est ça fait référence à des éléments quoi. Donc là, c'est plus kanji pour le mois, mais c'est le kanji de la lune. Tsuki. Là. Toujours. Allez, très. Oh, ça se comprend. Hein. Ouais, ouais, ouais. Idée là. Alors, il n'y a pas que un hein. Gatsu, donc Gatsu. Tsuki. Voilà. En fait, voilà, le nom original pour dire lune, vu que c'est le kanji de la lune, c'est Tsuki. Après, tu l'utilises, par exemple, pour... c'est ce kanji-là qui est utilisé pour dire le mois. Gatsu, ou Gatsu. Ah, là, on est à Kyogatsu. Et le 9e mois. Et c'est aussi à Getsu, c'est à le lundi. Voilà. Ne pas l'oublier. Donc, beaucoup. Après, il y a le kanji du feu. Hi ou Ka. Ah non, trompé, évidemment. C'est ceux-là d'abord. Là. K, tout simplement, et pas Ga. I. Est utilisé par exemple. Bah aujourd'hui, on est Kayobi. C'est ce kanji là. C'est ce kanji du feu. Pour ça, un moyen mnémotechnique, en fait, c'est ce qui est pas mal, c'est pour les apprendre. Au moins, tu sais par rapport au kanji, tout ça. C'est bah, on est à la journée du feu. Demain, on sera à la journée de l'eau. Mizu. Qui est celui-là? Sui Yobi.
Et ouais. Kanji de l'eau. Après, ah bah enfin. Mais c'est normal qu'il soit placé là. Mais on l'a déjà vu plus ou moins. C'est le kanji de l'arbre pour aussi le jeudi. Ki, Moku et tant d'autres. Donc celui-là, je pense, enfin on l'a déjà écrit là. Pas mal de fois. Donc. Ah. Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup Yobi, voilà, tout simple. Qui? Ko. Ah, Kanji de l'or. Le vendredi, c'est jour de paye, c'est... y en a qui disent c'est le métal, mais... Pas cané, c'est... souvent, c'est l'argent. Après, l'argent, c'est du métal, tout ça. Ouais, ça me fait rigoler, le vendredi, c'est le jour de paye, donc... Kanji de l'argent. On va mettre là. Il a un petit chapeau. Peut-être pas autant. Tac. Un peu plus long. Voilà. Ensuite, passage ici. Tac. Tac. Et plus long là. Ah. Voilà. Alors, Kin. Kin Yobi. Kon. Kane. Kana. Le samedi maintenant, c'est Kanji du sol. Donc lui c'est Kanji de l'argent, là Kanji du sol. C'est assez simple en réalité. Donc, To. Do pour Do Yobi. Et Tsu. Et on a fait les 16 d'aujourd'hui. Oui, il manque le dimanche, mais dimanche qui est aussi le kanji du jour. Bah, ceux-là ils sont plutôt rapides en réalité. On va pas se le nier. Donc vous avez une partie de la semaine en tout cas. On peut faire un petit récap. En fait ouais, peut-être petit récap c'est... Non c'est pas mal. Toujours que... amélioration des choses. Le premier. Partant de la droite, évidemment. Kanji de l'air. Puis Kanji du ciel. Puis Kanji de la pluie. Après... Kanji de la soirée, Kanji du chien, Kanji de l'insecte, Kanji du fruit de mer, Kanji de du gazon ou herbe, Kanji du bambou, Kanji de la fleur, Kanji de la lune, Kanji du feu, Kanji de l'eau,
kanji de l'arbre, kanji de l'argent, du métal, kanji du sol. Yeah.